Donc, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Je crois que nos quatre interventions seront très complémentaires et le film aussi de ce soir. Et j'ai effectivement compris la demande de ma participation ici. J'ai compris qu'on me sollicitait une réflexion sur les écrits de femmes en guerre plus que sur toutes les formes de participation des femmes à la guerre. En effet, il me semble que la première chose à souligner, c'est de dire que les femmes, comme les hommes, ont beaucoup écrit pendant la Grande Guerre, celle de 14-18. Donc mon propos ne portera pas sur une seule figure de femme, comme d'autres interventions, ni sur un seul genre littéraire. Je voudrais, au contraire, montrer, en les contextualisant, la diversité des écrits de femmes pendant la guerre. Donc le plan de mon exposé est le suivant. Après avoir donné brièvement des éléments de contexte, c'est là que je parlerai des femmes dans la guerre, j'aborderai successivement divers types d'écrits. D'abord, écrire en guerre, entre écrit ordinaire et texte militant, puis tenir un journal, le publier ou non après la guerre, et enfin, écrire sur la guerre en prenant deux exemples, l'exemple du deuil et de l'héroïsme. Alors, l'exhaustivité est totalement impossible, d'aborder l'ensemble des écrits de femmes pendant la guerre. J'insisterai sur des formes d'écriture et sur quelques figures de femmes. Et après moi, donc Samia Giorgi parlera beaucoup plus de Colette. Et enfin, Evelyne Morin-Rotureau vous lira beaucoup de textes de journalistes. Je n'évoquerai pas non plus les romans écrits par des femmes après-guerre, romans mettant en scène la guerre ou les conséquences de la guerre. Ma culture littéraire est sans doute insuffisante, mais ce sont surtout des romans écrits par des hommes qui me viennent à l'esprit, que ce soit La Garçonne de Victor Marguerite, 1922, Le Diable au corps de Raymond Radiguet, 1923, ou Les Gardiennes d'Ernest Perrochon, 1924. Alors, quelques mots, très rapidement, comment résumer la participation des femmes à la guerre. Quelques mots de contexte. Alors, le terme a été prononcé ce matin. La Première Guerre mondiale est une guerre longue. Elle était prévue comme une guerre de quelques semaines ou quelques mois, mais elle a duré plus de 4 ans. C'est une guerre que les historiens appellent guerre totale, c'est-à-dire qui mobilise à la fois l'avant et l'arrière, toute la société au service d'un État ou d'une nation en guerre. Et c'est enfin une guerre très meurtrière, 1,4 million de morts pour la France. Autre aspect de la vie des femmes en guerre, cette guerre totale a besoin d'une guerre, de ce que j'ai appelé une guerre des femmes qui sont mobilisées pour le service aux blessés, les infirmières, 100 000 infirmières dont 70 000 bénévoles Croix-Rouge, qui sont mobilisées pour l'assistance civile, il y a de très nombreuses œuvres de charitables de guerre, et qui sont mobilisées pour faire vivre économiquement le pays et alimenter le front, à la fois en nourriture, vêtements et surtout armement. Mais j'ai tenu à préciser cette petite remarque, on entend très souvent encore, on lit, que la Première Guerre a mis les femmes au travail. Ce n'est pas du tout vrai en France. Les Françaises étaient déjà très actives, plus d'un tiers de la population active avant 14. Il y a simplement eu des transferts de main-d'œuvre de secteurs traditionnellement féminins, comme le textile, vers des secteurs plus mixtes ou des secteurs masculins comme la métallurgie et l'usine de guerre. Et il n'y a eu qu'un surcroît de travail de plus 20% si l'on observe le personnel féminin de l'industrie et du commerce. Autre aspect de la vie des femmes pendant la guerre a des conséquences sur le quotidien des femmes. Elle m'apparaît avant tout, c'est un grand débat, la guerre a-t-elle ou non émancipé les Françaises? On dit souvent cela aussi. Il me semble important de souligner que les moments de guerre, la période de guerre est d'abord un temps d'épreuves multiples, épreuves de la solitude affective, de la séparation, épreuves du deuil, épreuves du surmenage au travail, que ce soit pour les paysannes ou pour les ouvrières, et épreuve des difficultés rencontrées dans le quotidien. Même si, il faut le rappeler, les Français et les Françaises de l'arrière n'ont pas eu faim pendant la Première Guerre mondiale, à la différence de la situation de la Seconde Guerre mondiale. Seule la population des zones occupées, dans le nord-est du pays, a vécu des périodes de très très grande pénurie, qui a engendré des surcroîts de morbidité et de mortalité.
Dans ce contexte de guerre, autre élément à souligner, des femmes se sont engagées, soit au service de la patrie, le patriotisme au féminin était très important pendant la Première Guerre mondiale, mais d'autres aussi sont devenues des contestataires, soit en s'engageant dans des grèves sociales. La trêve sociale qui marque les premières années du conflit s'arrête en 1917, soit en contestant et en essayant de militer pour que la guerre soit abrégée en devenant pacifiste. Enfin, dernière remarque qu'il me semble aussi important de souligner, on utilise le terme « les femmes », pas la femme, mais les femmes ne constituent pas du tout un groupe homogène, et on peut effectivement donner des idées générales sur la participation des femmes à la guerre ou sur les conséquences de la guerre sur les femmes, mais il faudrait à chaque fois nuancer et se demander de quelles femmes parle-t-on, de quel groupe social, de quel groupe d'âge, de quel lieu de résidence. Il y a des guerres des femmes, des guerres différentes. Alors, ces préliminaires étant dits, évoquons tout d'abord un premier type d'écrit sur lequel je voudrais insister, qui est un écrit ordinaire, la lettre, la correspondance, qui est véritablement, qui constitue un lien essentiel entre l'avant et l'arrière. Alors, je vous ai mis sur la diapositive des photographies que j'ai trouvées dans un journal imprimé pendant la guerre, dans la ville de Vienne, au sud de Lyon, ça s'appelle Vienne et la guerre. Un journal très patriotique, et il y a dans deux numéros différents ces deux photos, ces deux clichés d'époque qui représentent, je les aime bien ces clichés, la femme qui écrit aux soldats au front, soit le fils, soit le frère, soit le fiancé, le mari, et la femme qui lit la lettre qu'elle vient de recevoir dans une cour de ferme avec les poules. Alors, ces correspondances, jamais les Français et les Françaises n'ont autant écrit. Vous savez que la France était déjà alphabétisée. La Troisième République avait mis en place l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire. Et même si, dans les campagnes, on avait peu de pratiques d'écriture après le temps d'école, les Français savent écrire. Et il y a chaque jour des millions de lettres. Il y a 8 millions d'hommes mobilisés, il y a chaque jour des millions de lettres qui sont échangées entre l'avant et l'arrière. Donc jamais les Françaises et les Français n'ont tant écrit. Et une historienne qui vient de faire une thèse en utilisant cette source, en utilisant surtout cette source, a une belle formule. Elle dit que les femmes, par la correspondance, ont mis en place une véritable gestion de l'absence pour combler la distance. Il n'y a que la correspondance et les permissions instaurées à partir du printemps 1915. Alors, ces millions de lettres, qu'en connaît-on? Les historiens les recherchent. Vous le savez que de plus en plus, depuis 15-20 ans, des correspondances sont publiées par des éditeurs qui sont d'abord retrouvées par la génération des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants dans les greniers des familles, et certains souhaitent qu'il soit publié. Alors, je vous en ai mis un exemple récent, c'est publication 2013, Femmes sur le pied de guerre, c'est la famille Rézal, une famille bordelaise de la moyenne bourgeoisie. Je vous ai mis donc plusieurs femmes, la mère, les filles, écrivent à leurs hommes au front. Alors, je vous ai mis un exemple, un extrait d'une lettre, Julie, donc la mère, le 29 décembre 1914, à son fils mobilisé. Nous avons reçu ta bonne lettre du 26 ce matin. Alors, j'ai choisi cet extrait parce que le terme de bonne lettre, on le trouve dans énormément de correspondances. La lettre, la bonne lettre, c'est celle qui donne des nouvelles, qui fait du bien, aussi bien à l'arrière, à la famille rassurée, qu'à l'avant, aux soldats, qui sait qu'on ne l'oublie pas. Donc c'est un terme très utilisé à l'époque. Et comme elle écrit à la fin de l'année 14, elle écrit « Que se passera-t-il en 1915 ? Moi, j'espère qu'elle me permettra de t'embrasser, mon cher enfant, toujours en bonne santé et heureux du beau devoir accompli. » Famille patriote. C'est ce que je te souhaite ardemment en t'embrassant tendrement, comme tu sais que je t'aime. Ah, autre remarque sur ces correspondances qui sont publiées, il faut souligner que les lettres des hommes, les lettres des soldats envoyées aux femmes à l'arrière, sont mieux conservées. Pourquoi ? Parce que les hommes au front parfois meurent, même souvent meurent, ou bien changent d'endroit et peuvent perdre les courriers. Donc on a rarement, malheureusement, rarement publié des correspondances croisées, où on a lettre du soldat et lettre de l'arrière. Ce livre-là
est faite de correspondances redécouvertes par un petit-fils qui découvre les lettres de son grand-père à sa grand-mère, Albert Viard, lettre à Léa. Et là aussi, il y a des formulations que l'on trouve dans énormément de correspondances de guerre, notamment cette remarque du 24 avril 1918, « Ce soir, les lettres sont déjà arrivées, mais je n'ai rien eu. C'est une journée perdue quand on ne reçoit rien. Le moral du soldat dépend beaucoup du lien qu'il garde avec l'arrière. » Et ces lettres, que disent ces lettres? Elles disent de l'avant à l'arrière ou de l'arrière à l'avant. Elles disent l'affection, le désir sexuel. Vous allez le voir dans l'extrait que j'ai aussi mis sur la diapositive. Elles donnent des nouvelles et elles donnent notamment les correspondances de paysans à leurs femmes. Elles donnent des conseils sur comment cultiver la terre, quand planter, quand semer, quand récolter, etc. Ou quand acheter la terre du voisin qui est décédé. Il y a énormément de cette remarque dans les correspondances. Alors, Albert Aléa, le 4 juillet 1918, « J'espère que dans 26 jours, je t'aimerai comme tu le demandes. » 26 jours, c'est la permission. « Bien portant, tout jeune et tout aise. Tu dis que tu as envie de rire quand tu parles de cela. Tu te réjouis, hein, d'avoir ton grand foufou pendant 12 jours. Au moins aussi, va, je serai content d'être près de toi et tu verras que tu me gobras encore plus que d'habitude. » Et chaque couple a ses mots, hein, ses mots d'amour, ses mots de complicité, à la fois sexuelle et amoureuse. Oh, les lettres, ces lettres publiées, c'est bien qu'elles soient publiées, mais c'est pour les historiens moins intéressant que d'avoir accès directement aux documents. Pourquoi ? Parce que les lettres sont aussi des objets, hein, des objets qui montrent des pratiques d'écriture. Sur quel papier écrit-on ? Comment écrit-on ? Et à l'époque, pour en avoir vu pas mal, on écrit dans tous les sens, on économise le papier. On écrit très serré, puis après, quand on n'a pas fini, on va écrire dans l'autre sens. Et parfois, cet autre sens déborde sur la première écriture. Pour les plus modestes, on peut écrire sur des feuilles qui sont des cahiers d'école. On écrit avec des crayons ou parfois avec la plume. On utilise parfois des cartes postales, comme celle-ci. Vous savez que jamais l'industrie de cartes postales n'a autant produit d'éléments que pendant la Première Guerre mondiale. Et là, le choix de l'illustration est une façon de redoubler le message envoyé aux soldats. Là, c'est aussi un message sur l'amour et le désir sexuel. Le thème « Loin des yeux, près du cœur » est un thème extrêmement développé dans les cartes postales. Alors, je finis très... mais j'insiste beaucoup sur la correspondance, ça sera beaucoup plus rapide après, rassurez-vous. Il existe aussi d'autres lettres que l'on peut trouver dans les archives. La guerre est une période de tension, de troubles, et on trouve bien sûr des lettres de délation, où on dénonce d'éventuels supposés espions ou espionnes. On trouve aussi, et je vous en ai mis un exemple, des lettres de sollicitation. Alors, ce sont des lettres, c'est une lettre écrite sur un cahier d'écolier, de paysannes de Loisan, de Chanteclouve en Loisan, qui écrivent au préfet, en disant, et bon, vous ne pouvez pas lire le texte, mais il y a une phrase importante où elles disent « Nos forces déjà si épuisées par le surmenage et le chagrin continuel ». Et je vous ai mis une photo célèbre de la Première Guerre mondiale où les paysannes, qui sont là pas des paysannes de montagne, c'est visiblement une zone de plaine, sont attelées à une herse. Pourquoi ? Parce que les femmes doivent à la fois remplacer les hommes mobilisés et les bêtes réquisitionnées. Donc on peut véritablement parler de surmenage. Alors, je finis sur les lettres. Vous avez, par cette remarque, vous avez sans doute entendu parler de la collecte faite par l'institution Europeana 14-18, où on fait appel aux familles pour qu'ils apportent des documents, notamment des correspondances, qui seront numérisées, puis ensuite rendues, et ces lettres numérisées seront mises à la disposition des chercheurs. C'est extrêmement intéressant parce que c'est la volonté très forte dans l'historiographie actuelle de la guerre d'écrire, de changer d'échelle d'observation, d'écrire une histoire de la guerre au niveau des familles, ce qu'on appelle parfois une histoire sensible de la guerre, d'approcher les formes d'intimité pendant la guerre. J'irai plus vite sur un deuxième type d'écrit, qui est le témoignage. Alors, je laisse Colette à ma voisine et je donne un autre exemple d'écrivaine témoin pendant la guerre,
qui est la romancière américaine que vous connaissez sans doute, hein, Edith Wharton, hein, qui a écrit de nombreux textes en 1914-1915. C'est une romancière qui vit beaucoup à Paris, qui est francophile, et ses textes publiés pendant la guerre à New York vont effectuer un travail de sensibilisation de l'opinion publique américaine qui, vous le savez, les États-Unis vont s'engager en 1917 du côté des Alliés. Donc ce sont des témoignages qui ont des effets politiques et diplomatiques. On pourrait dire la même chose des correspondances de féministes. Les féministes qui avaient de nombreux liens internationaux avant 14 s'écrivent les unes les autres, les Françaises écrivent aux Italiennes, aux Américaines, et moi j'appelle ça un travail de fourmi diplomatique qui va permettre à des États neutres de s'engager du côté des Alliés. Quelques exemples, quelques phrases d'Edith Wharton, mais je vois que j'accélère, donc je ne prendrai que la fin de la première citation. Pour la première fois, je vois la guerre de mes yeux. C'est la fonction de témoin. Et la deuxième illustre son côté très francophile, où elle parle de la France et du peuple français comme du peuple le plus intelligent du monde et le plus sublime en période de guerre. Troisième type d'écrit, écrit déjà militant, donc militant patriotique ou militant pacifiste. Donc quelques remarques sur les écrits patriotiques. J'ai insisté par la brochure numérisée sur ce que j'appelle les poétesses de guerre ou les poétesses d'occasion. À la BNF, j'avais trouvé toute une série de textes de poétesses, et c'était la seule occurrence dans le catalogue de la BNF. Donc, des femmes se sont mises à faire des vers poétiques sur la guerre, des vers qui ne sont pas très bons, mais pour essayer de soutenir le moral ou exalter le courage des combattants ou le courage des femmes à l'arrière. Alors, je vous ai mis celle-là parce que je l'ai découvert récemment dans les archives de l'Isère. Et pourquoi il y a cette petite brochure qui s'appelle Femmes de France? Alors, vous voyez que c'est une personne qui signe par un pseudonyme masculin, Jacques Berry, mais en fait elle s'appelle Madame Goujon, et elle envoie ses poèmes patriotiques au préfet de l'Isère. En même temps, elle a un peu des ennuis avec la préfecture parce qu'elle dirige une association de prisonniers de guerre et elle ne sait pas gérer son association. Une loi de 1916 impose d'envoyer les comptes régulièrement à la préfecture et d'informer la préfecture du développement de l'association, ce qu'elle ne fait pas. Donc elle est à la fois, je pense qu'elle essaie de se faire pardonner ses mésaventures administratives en envoyant donc au préfet des brochures patriotiques. Alors j'en ai déjà au moins rencontré une dizaine de ces poétesses de guerre. Je n'ai pas le temps de vous lire des vers, mais c'est des vers que l'on trouve aujourd'hui très insipides. Notamment, je me souviens de vers sur la baïonnette que les soldats appellent Rosalie, donc des jeux de mots très peu subtil sur la Rosalie qui va éventrer le ventre des Boches pour tuer le plus d'Allemands possible. D'autres écrits patriotiques, des écrits féministes. Alors, j'ai pas beaucoup le temps de développer, mais vous savez que la majorité du mouvement féministe pendant la guerre, d'une part, suspend ses revendications en disant que les femmes n'ont plus de droits, mais n'ont que des devoirs à accomplir. Mais en même temps, accomplir ses devoirs, c'est tenter de faire la preuve des compétences des femmes pour obtenir, espère-t-on, de nouveaux droits après la guerre, notamment le droit qui est beaucoup revendiqué avant 14, qui est le droit de vote pour les femmes. La majorité des féministes patriotiques vont écrire dans les journaux, notamment La Française, qui est le grand périodique de l'époque. Elles vont aussi écrire des pétitions et faire signer des pétitions. Elles vont envoyer, comme je le disais, des lettres à leurs collègues étrangères. Et elles entendent être des semeuses de courage auprès de leurs consoeurs, des autres femmes. Elles entendent valoriser les compétences des femmes et lutter contre toute paix prématurée. Cette phrase me paraît très très claire, d'une féministe jeannisme à l'automne 14. Tant qu'il y aura la guerre, les femmes de l'ennemi seront aussi l'ennemi. Sous-entendu, elles ne sont plus nos sœurs de combat à l'échelle internationale. Elles deviennent des ennemis. Mais vous avez aussi des engagements militants de l'autre côté, des féministes pacifistes. Alors, j'ai pris deux exemples, notamment une qui est assez bien connue, Hélène Brion, qui est une institutrice
Pourquoi est-elle... Elle est l'auteur en 1917 d'une brochure, La Voix féministe, dont je vous ai mis quelques extraits. Et pourquoi écrit-elle cette brochure? Parce qu'elle est, pendant la guerre, à la tête du sein de la Fédération des instituteurs et institutrices de France de la CGT. Et c'est une femme qui pratique la multi-appartenance militante. Elle est socialiste, féministe, pacifiste, mais elle considère que son rôle principal est de faire entendre la cause des femmes dans les organisations ouvrières qui sont à l'époque pas très très ouvertes hein, aux droits des femmes ni au travail des femmes. Donc elle écrit en 1917 La Voix féministe pour être lue par les militants syndicalistes et socialistes afin de leur faire comprendre que s'ils veulent le soutien des femmes, ils doivent prendre en compte leurs revendications. Cette phrase me paraît extrêmement claire, hein, des rapports entre rapports de sexe, rapports de classe. Socialisme et syndicalisme s'efforcent surtout d'améliorer le sort des travailleurs et des classes pauvres. Or, les femmes sont plus exploitées encore par la collectivité masculine en tant que femmes qu'elles ne le sont par le capital en tant que productrices. Comme elle est à la tête d'un syndicat qui va basculer vers le pacifisme à partir de 1916, elle est arrêtée en fin 17 et traduite en conseil de guerre en 1918. Mais toujours dans la logique de son engagement militant, elle transforme son procès en pacifisme, en plaidoirie pour le féminisme. Et elle est radiée de la fonction publique, mais elle n'est pas emprisonnée à l'issue du procès. Donc, je me dépêche. Autre exemple de militante pacifiste, Marcel Capi, dont vous avez peut-être lu certains romans. Elle est journaliste, écrivaine, libertaire. Elle est plus anarchiste que socialiste et pacifiste. Notamment, elle est l'auteur en 1916 d'une voix de femme dans la mêlée. Et ce titre d'ouvrage répond à l'ouvrage de Romain Rolland de 1915, Au-dessus de la mêlée. Vous savez que Romain Rolland est à Genève. Bon, il n'est plus en âge d'être mobilisé, mais est à Genève. Et il reste à Genève pendant la guerre et il écrit Au-dessus de la mêlée. Elle répond, une voix de femme dans la mêlée. Mais elle obtient une préface de Romain Rolland. Et c'est un livre extrêmement ironique qui dénonce l'hypocrisie des beaux parleurs, qui encense les soldats, le patriotisme, les femmes, et qui ne dénonce pas l'exploitation notamment des travailleuses. Vous savez aussi qu'elle a écrit des romans après-guerre, notamment « Des hommes passèrent », où elle parle des prisonniers de guerre allemands dans son village, dans sa petite ville du Lot. Alors, Marcel Capi est intéressante, et je crois qu'Evelyne Morin-Roturo vous lira des textes plus longs tout à l'heure. C'est une femme indignée, et elle va accepter d'aller travailler incognito, un petit peu comme Florence Aubenas l'a fait pour les femmes de ménage. Elle va aller travailler dans une usine de guerre, fin 1917, incognito, pour connaître et décrire la condition des ouvrières de guerre, qui sont 400 000 en France à l'époque, un quart de la main-d'œuvre des usines de guerre. Et sa conclusion, elle dénonce la pénibilité du travail, sa conclusion que je vous ai mise, « Femme de 20 ans, femme de 30 ans, joli visage, frêle silhouette, maman, pour préserver leur vie et celle des leurs, elles donnent chaque jour la fleur de leur jeunesse, la fleur de leur santé. Ne dites jamais que les ouvrières d'usine sont des privilégiées, ce qu'on disait à l'époque. Pourquoi ? Parce que les salaires des femmes dans les usines de guerre sont beaucoup plus élevés que les salaires d'ouvrières de métiers féminins comme le textile. Ne vous riez jamais de leur peine. Dites-vous, comme je me dis à cette heure-là, il faut avoir faim pour faire ce métier. J'arrive à la fin pratiquement de mon exposé. Autre type d'écrit possible de femmes pendant la guerre, tenir un journal, le publier ou non après la guerre. Et j'envisagerai d'abord le cas des infirmières. Alors je vous ai mis quand même pour illustrer deux photos de deux types d'infirmières. Les infirmières militaires, d'un côté, vous avez une promotion d'infirmières canadiennes qui va juste avant qu'elles partent pour le front en Europe. Et de l'autre, vous avez un dessin du journal d'illustration qui représente une infirmière Croix-Rouge, donc bénévole. Alors, ces journaux d'infirmières, en général, ne sont pas publiés. Ils sont redécouverts, là encore, bien plus tard par les familles. Ils sont parfois édités ou déposés dans des centres d'archives où les historiens les trouvent. Alors, quelques exceptions de publications. Juliette Martineau, journal d'une infirmière,
mais 1915. Mais vous voyez, si vous regardez les occurrences de cet auteur sur la BNF, c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'écrire. C'est une infirmière Croix-Rouge d'un milieu aisé, qui écrit, donc qui publie son journal d'infirmière. Et vous avez un autre sous un pseudonyme, Marc Ellis, le pseudonyme de Marie Lera, qui est cantinière de la Croix-Rouge, 14-16, publication 17. Et là, il y a 30 notices de cette femme au catalogue BNF. Alors, pourquoi ces infirmières écrivent-elles pendant la guerre? Parce que je pense qu'elles ont une très forte conscience de la situation exceptionnelle qu'elles vivent. Et d'autre part, c'est une façon aussi, je pense, de maîtriser l'émotion face à la dureté du travail, face à la découverte des blessures inimaginables auparavant, du sang, de la mort des hommes. Donc ces journaux sont extrêmement intéressants parce qu'ils disent à la fois les horreurs de la guerre et en même temps que cette expérience d'infirmière a été la grande aventure de leur vie. Alors, je crois que je vais... Donc je ne vais pas développer l'exemple d'un autre exemple de journal publié en 1938, parce que sinon je dépasse trop mon temps. Dernier type d'écrit, écrire sur la guerre, donc après la guerre. Dire d'abord, on a des textes qui disent la perte et le deuil. Et j'ai pris l'exemple de l'ouvrage de Jeanne Catulle-Mendès, La prière sur l'enfant mort, paru en 1921, dont vous avez les premières pages avec le dessin de... portrait de son fils et à mon fils bien-aimé, à mon enfant adoré. Jeanne Catulle-Mendès, qui est-elle? Je vous ai mis quelques remarques sur cette femme. C'est la seconde épouse de l'écrivain Catulle-Mendès. C'est une poétesse et une femme de lettres parisienne, mère de trois fils mobilisés, ce qui était fréquent, et qui donne pendant la guerre des conférences à l'étranger sur le rôle des femmes. Mais elle a été très marquée donc, par la perte de son jeune primis. Son ouvrage, pense-t-on, a été tiré à compte d'auteur. Et cet ouvrage décrit les différentes phases de l'angoisse et du deuil. Je vous ai mis un extrait. Lorsqu'elle a pris conscience de la mort de son fils, impuissance, rien, je ne peux rien. Les points de suspension sont dans le texte. Il est mort, je lui ai donné la vie, rien ne peut faire que je lui rende un souffle de vie. La plus sublime des causes ne saurait me faire accepter que mon enfant n'existe plus. Personne n'aime la France plus que moi, mais on n'aime rien au-dessus de l'enfant. Alors, je ne peux pas non plus, il faut que je m'arrête. Écrire sur la guerre, des héroïnes de la Première Guerre mondiale, des résistantes de la zone occupée, ont raconté l'occupation allemande et leur façon de résister, un réseau de renseignement et réseau d'évasion. Et vous voyez que tous ces ouvrages sont publiés dans les années 30, sans doute pour rappeler, on commençait à les oublier ces femmes, et en écrivant leur mémoire, elles rappellent leurs exploits passés. Et vous avez le monument à Lille, à Louise de Bettigny, qui elle est morte dans une prison allemande en 1918. Voilà, merci. Donc je laisse lire les suivantes, lire plus de textes que moi.